L'hypocrisie est un fléau de nos jours, attention. Ma langue se délie, pas de point de suspension. Un plongeon dans l'histoire en introduction. La première déduction laisse encore telle une sale gestion. 1945, la libération. Le monde découvre l'horreur des camps de concentration. Les bourreaux ne furent pas tout jugés. L'évasion favorisée par les alliés, quelle étrange caution. Fuite vers l'Argentine, le Paraguay, pion. Dans les services secrets pour de funestes missions. Pourquoi ont-ils été protégés? Question. Elle reste sans réponse après 50 ans d'exaction. Au nom des crimes qu'ils ont commis, vous leur donnez protection. Vos rédos sont-ils en intersection? J'y compris combattra les nazis avec égard et discrétion. Tant qu'il y aura des élections, sale hypocrite. Tous se séparent et guerriers par loyauté. Sale hypocrite. Tous se séparent et guerriers par loyauté. Centrale atomique en péril, émanation. Surtout, ne pas affoler la population. Le danger est en discussion. Plusieurs institutions donnent la version officielle de l'évolution. Deux ans après, les cancers font irruption. On constate l'ampleur de la désinformation. Panama, les bombes peuvent. Opération de test logistique, un mois avant l'intervention. Dans le golfe, réussite de l'option. 1000 morts civiles pour un test, une estimation. 200 000 âmes, explication. La guerre chirurgicale a opéré sur toute la population. Les conflits se groupent autour des productions de stupéfiants. J'en tire les motivations, les états contrôlent même les transactions. Ils sont les vrais responsables de l'intoxication. Des bombes pour des fleurs, c'est le comble de la dérision. À la télévision, il y a des caveaux sous les champs de pavots. Mais inflation, capitalisation sont leurs préoccupations. Sale hypocrite. Tous se séparent, intrigue rien par loyauté. Sale hypocrite. Tout se fait par intrigue. Les gens de pouvoir briguent des postes contre nos vrais soligues. Tout se fait par intrigue. Les gens de pouvoir briguent des postes contre nos vrais soligues. Tout se fait par intrigue. Les gens de pouvoir briguent des postes contre nos vrais soligues. Les hommes croient toujours qu'ils jouent le dernier acte de leur vieille histoire. Conférence à Rio, déforestation. Créatures budget menacées de disparition. D'extinction, d'extermination, d'éradication. Les nations sous l'érosion de l'amputation. Mais ceux qui décident ont une potion. Le pouvoir de prestidigitation. Faire disparaître leurs comptes et leurs actions. Se balader dans les quartiers juste un peu avant les élections. Le miel dans la voix pour plus de persuasion. Ils donnent des leçons quand ils frisent l'incarcération. Fixés sur les sondages d'opinion. Ils passent pour des types mignons. Sans plus fort quand certains mangent des grignons. Ils font des courbettes de Paris à Avignon. Lèchent le cul de l'électeur pour sa décision. Les candidats en période électorale sont tous des rêves. Les brincards, les hommes fanfares, c'est bidon. Quand je pense à ce qu'ils font avec notre pognon. Les voyages en avion et à peine de réception. Proche du peuple, une illusion d'apparition récente et usée à profusion. Leur laïus semble si sincère sans une inflexion. On leur donne d'honorer le bon Dieu sans confession, sale hypocrite. Tout se fait par intrigue, les gens de pouvoir brigent des postes contre le vrai soligue. Tout se fait par intrigue, les gens de pouvoir brigent des postes contre le vrai soligue. Tout se fait par intrigue et rien par loyauté.